Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mandaté. J'espère que vous vous portez bien parce que moi de mon côté tout baigne à merveille. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer Microsoft Edge pour qu'il puisse effacer automatiquement vos cookies du navigateur. Alors vous êtes sans ignorer que les navigateurs la plupart du temps stockent les cookies pour tous les sites que vous visitez. Et honnêtement leur suppression permet souvent de résoudre certains bugs, de libérer de l'espace et d'accélérer votre navigateur. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, arrivé ici sur notre interface de Microsoft Edge, nous allons partir ici au niveau des trois points à votre droite. Vous cliquez, vous ouvrez les paramètres. Alors, au niveau de paramètres, vous partez dans confidentialité, recherche et services. Vous allez chercher, choisir ce qu'il faut effacer chaque fois que vous fermez le navigateur. Vous ouvrez, alors vous voyez, il effectue un petit calcul là. Et on vous montre, vous avez la possibilité d'effacer l'historique de navigation, historique téléchargement, mais voici le secteur des cookies. Je ne sais pas si vous voyez, secteur des cookies, vous allez devoir activer. Vous allez activer. Maintenant, si vous avez la possibilité d'ajouter des sites dont vous ne voulez pas que les cookies soient supprimés, ça c'est facultatif, tout dépend de vous. Vous pouvez ajouter certains sites-là qui ne seront pas affectés en fait par la suppression automatique des cookies. Alors voici comment la suppression va se faire. La suppression se fait lorsque vous fermez votre navigateur en fait. C'est là où la suppression se fait. Ça ne se fait pas pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous êtes en train de naviguer dessus. C'est lorsque vous allez fermer que la suppression va se faire. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des autres vidéos. Ciao!